السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يمن علينا جميعا بصدق النية، وأن يوفقنا لأن نكون مخلصين في جميع أعمالنا وأقوالنا، وأن يصلح باطننا كما أصلح ظاهرنا، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. أما بعد، le sujet que nous allons traiter dans cette conférence avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala portera sur le titre du sujet sera l'islam a honoré la femme musulmane. Pourquoi ce sujet? Nous vivons dans une époque dans laquelle cette femme qui dans cette religion est considérée comme un précieux bijou, comme un précieux trésor, cette femme est visée par de nombreux yeux. Ses yeux ont toutes sortes d'intentions. Et parmi les plus grandes de celles-ci, lui enlever sa religion et la détacher de la foi à laquelle elle s'apparente. Cette foi sans laquelle elle ne peut pas être agréée par Allah. Cette foi sans laquelle elle ne peut pas entrer au paradis. Cette foi sans laquelle elle ne peut pas réussir. Comme le croyant homme, il ne peut pas réussir si ce n'est avec la foi. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Celui qui fait une bonne action, homme ou femme, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Et nous le récompenserons en fonction des meilleurs actes qu'il a faits. Il est donc important de parler de cette femme en islam, la servante d'Allah, celle qui a attesté que seul Allah subhanahu wa ta'ala a le droit à être adoré, et que seul le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a le droit d'être suivi complètement. Avant de parler des mérites de cette femme, ou bien du fait que l'islam l'a honorée et lui a accordé une grande place, il nous faut d'abord parler de la situation de la femme avant l'arrivée de l'islam dans la péninsule arabique et ailleurs. Quant à la péninsule arabique, la femme, avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous révèle le Coran, était victime
d'injustice. Elle était une personne offensée qui n'avait pas de valeur chez les gens. Elle n'avait donc pas le droit à l'héritage. Au contraire, elle-même était héritée. Et si un homme perdait sa femme et que celui-ci avait une deuxième femme de laquelle il avait des enfants ou avec laquelle il avait des enfants, lorsqu'il mourait, le plus grand-fils de sa deuxième femme héritait. Il héritait de la première et il avait le droit d'en faire ce qu'il voulait. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet, « La yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha » Il ne vous est pas permis d'hériter des femmes alors qu'elles ne le veulent pas. La femme, avant que l'islam arrive dans la péninsule arabique, était détestée. C'était une mauvaise augure pour les gens. Allah nous dit dans le Coran, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Et lorsque l'on annonçait à l'un d'entre eux la naissance d'une fille, son visage s'assombrissait et la rage l'habitait. La rage habitait son cœur. Ensuite, il se posait la question. Allah nous dit, يَتَوَارَ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. Il se cache des gens à cause du malheur qu'on lui a annoncé, la venue d'une fille, la naissance d'une fille. أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُنْ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. Allah dit que la personne, le père, lorsqu'on lui annonçait la venue d'une fille ou lorsqu'il voyait que sa femme avait accouché d'une fille, il se cachait des gens. Parce que la femme était un défaut chez ces gens-là. Est-ce qu'il va l'enterrer vivante ou bien va-t-il la cacher des gens, humiliée? Va-t-il vivre avec elle en la cachant des gens, dans l'humiliation, en lui faisant de l'injustice, ou bien va-t-il directement l'enterrer vivante? Également, Allah nous montre que ces gens-là enterraient leur fille vivante. Allah nous dit à ce sujet, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Et lorsque la fille enterrée vivante sera interrogée, pour quel péché as-tu été tuée? Quant à la situation de la femme, dans d'autres pays ou dans d'autres endroits que la péninsule arabique, sachez que dans le pays dans lequel nous nous trouvons, en l'an 585 du calendrier grégorien, il y a un ensemble d'évêques qui se sont réunis afin de débattre au sujet de la femme. Est-elle, possède-t-elle une âme ou bien est-elle un animal? Et ils débattaient pour en conclure qu'elle n'était pas comme un homme, elle n'était pas un humain normal comme un homme. En France également, parce que nous vivons en ce pays, en 1804, dans le code napoléonien, la veuve n'avait aucun droit dans la succession de son conjoint, c'est-à-dire l'héritage. Et si elle désirait se remarier, elle était soumise à la décision du conseil de la famille. Dans les lois anglaises, elle n'était pas considérée comme citoyenne jusqu'en l'an 1805. Et l'homme avait le droit de vendre sa femme. En Chine, l'année de la femme et l'année du cheval étaient une année qui apportait pour eux le mauvais augure. Une année de malheur. Wal'iyadu billah. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran dans lequel il a montré à l'homme la grande place que cette personne occupe, car elle est celle qui porte dans son ventre les gens qui vont adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que celui qui nuit à un croyant ou à une croyante
il aura un immense châtiment. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Et ceux qui font nuisance aux croyants et aux croyantes pour un péché qu'ils n'ont pas commis, ils auront à affronter une grande calomnie et un immense péché. Ils devront assumer devant Allah un immense péché. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait les éloges et promet la récompense aux croyants comme aux croyantes. Inna al-muslimina wal-muslimat, wal-mu'minina wal-mu'minat, wal-qanitina wal-qanitat, والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله dit dans ce verset, certes, les musulmans et musulmanes, les croyants et les croyantes, les obéissants et les obéissantes, les véridiques hommes et les véridiques femmes, les patients, les endurants et les endurantes, ceux qui craignent parmi les hommes et parmi les femmes, les jeûneurs, les jeûneuses, ceux qui préservent leur chasteté parmi les hommes et parmi les femmes, ceux qui évoquent Allah subhanahu wa ta'ala abondamment parmi les hommes et parmi les femmes, Allah leur a préparé un pardon et une immense récompense. Allah nous montre que l'homme comme la femme peut recevoir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Innama an-nisaa'u shaqa'iqur rijal » Les femmes ne sont que les consœurs des hommes. Également, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu nous dit, comme nous le rapporte l'imam al-Bukhari, « Kunna fil jahiliyyati la na'uddu nisa'a shay'a. Falamma ja'a al-islam wa dhakarahunna Allah, ra'ayna lahunna bidhalika alayna haqqa. » Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a dit, avant l'islam, à l'époque de la jahiliyya, nous ne considérions pas les femmes. On ne leur donnait aucune importance. Lorsque l'islam est arrivé et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a mentionnées, c'est-à-dire dans son livre, nous avons vu après cela qu'elles avaient un droit sur nous. Et l'islam a honoré la femme en tant qu'épouse, en tant que fille, en tant que mère de famille. L'islam a autorisé à honorer la femme en tant que mère, en tant que femme, en tant que fille, en tant que personne musulmane, en tant que croyante. Quant à la femme, c'est-à-dire l'épouse, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا » Et parmi ces signes, il a créé à partir de vous des épouses, litaskunu ilayha, afin que vous cohabitiez avec elles dans la tranquillité. Wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahmah, et il a mis entre vous de l'amour et de la miséricorde. Inna fi dhalika la ayatin liqawmin yatafakkarun, il y a certes dans cela des signes pour un peuple qui médite. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que la vie de couple chez le musulman et la musulmane est basée sur deux choses, l'amour et la miséricorde. L'amour et la miséricorde, car Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pour son servant et sa servante que la réussite, que la joie et que le bien. Et il a fait de cet amour et de cette miséricorde un signe montrant qu'il est le seul à mettre dans les cœurs l'amour, et qu'il est le seul à guider et guérir qui il veut, et qu'il est le seul à mériter par conséquent la reconnaissance et l'adoration subhanahu wa ta'ala. Il a donc ordonné aux hommes de se comporter convenablement avec son épouse. À ce sujet, Allah dit « Wa ashiruhunna bil ma'ruf » et vivez avec elle
et cohabiter avec elle dans le bien, dans la bonté. L'imam Ibn Kathir rahimahullah a dit ce verset, ce verset signifie dites-leur des bonnes paroles, dites-leur des bonnes paroles, embellissez vos actes, embellissez vous physiquement avec vos habits et comportez-vous avec elle de la meilleure manière. Également Allah a dit وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Elles ont des droits, la même chose que ce qu'elles ont en devoir. Elles doivent recevoir de leur mari la même chose que ce que leur mari doivent leur donner. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous dit وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً. Et les hommes ont un degré supérieur à elles. Allah est le créateur de l'homme et de la femme. Il est celui qui connaît ce dont l'homme a besoin et ce dont la femme a besoin. Il a donc organisé la vie de celui-ci et de sa femme afin qu'ils cohabitent et qu'ils vivent ensemble dans la sérénité, dans la quiétude, pour qu'ils réussissent dans ce bas monde comme dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de la bonté envers sa femme un signe qui montre que la personne fait partie des meilleurs, l'homme. Il nous dit à cet effet khayrukum khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. Le meilleur d'entre vous est le meilleur avec sa femme et je suis le meilleur avec ma femme. Il nous montre que si l'on veut être les meilleurs, nous devons être les meilleurs avec les femmes qui sont nos épouses. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le comportement le plus exemplaire avec les femmes qu'il a épousées. Notamment Aïcha radiallahu anha nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, nous étions en voyage. Le prophète dit aux compagnons radiallahu anhum, prenez de l'avance, avancez. Alors lorsqu'ils avancèrent, le prophète dit à sa femme, Aïcha radiallahu anha, faisons une course. Aïcha radiallahu anha lui dit, tu veux que nous fassions une course, ou plutôt avant qu'elle ait pris du poids, radiallahu anha. Elle a donc fait une course avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle a gagné cette course. Longtemps après, ils étaient dans un autre voyage. Et Aïcha radiallahu anha nous dit, j'avais pris du poids et j'avais oublié la première course que j'avais gagnée. Le prophète me dit, une course. Faisons une course. Alors, Aïcha radiallahu anha se mit à courir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète gagna cette course. Ensuite, il se mit à sourire et à rigoler. Et à lui dire, celle-ci pour celle-là, cette course que j'ai gagnée est la revanche de celle que j'ai perdue. Et Aïcha radiallahu anha nous dit qu'elle avait oublié cette course. Mais le prophète lui ne l'a pas oublié, parce que sa femme a un grand rang chez lui. Et il se souvient même d'une course qu'il a faite avec sa femme radiallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir accompli la prière du Isha, il entrait chez sa femme, chez la femme chez qui il passait la nuit, et avant de dormir, il discutait avec elle. Il discutait et il écoutait ce que sa femme avait à lui dire. Également, lorsque l'on venait au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un cadeau, il disait idhhabu bihi ila fulana fa innaha kanat sadiqatan li khadija. Il disait prenez ce cadeau et allez le donner à telle femme car elle était l'amie de Khadija qui était sa femme radiyallahu anha. Il disait également idhhabu bihi ila binti fulana
فإنها كانت تحب خديجة. Il disait, prenez ce cadeau et allez plutôt le donner à la fille de telle femme, car elle aimait Khadija, radiyallahu anha. Tellement il faisait les éloges de sa femme Khadija, radiyallahu anha. Aïcha, radiyallahu anha, prise par la jalousie, dit, elle dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'évoquer Khadija en bien et de faire ses éloges avec les meilleures paroles. Alors, prise par la jalousie, je dis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu mentionnes beaucoup cette femme qui avait les joues rouges. Elle avait pris de l'âge, elle avait vieilli. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné une femme meilleure qu'elle, t'a remplacée par meilleure qu'elle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, Allah ne m'a pas remplacé par meilleure qu'elle, car c'est elle qui a cru en moi lorsque les gens ont mécru en moi. C'est elle qui a attesté de la véracité de mon message lorsque les gens m'ont traité de menteur. C'est elle qui m'a aidé avec son argent lorsque les gens m'ont privé de leur argent. Et c'est d'elle qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné les enfants alors que je n'ai pas eu d'enfants avec les autres, sauf Maria. Allah a cette... À cause de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint l'homme de craindre le châtiment d'Allah s'il avait un mauvais comportement avec son épouse. Et il a dit ces quelques mots, cette exhortation, dans la plus grande rencontre que les musulmans connaissent dans l'année, qui est le jour de Arafah, dans la station de Arafah, le jour où tous les pèlerins se rassemblent. Et dans certains hadiths, nous voyons que les gens présents étaient plus que 120 000 personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit « Fattakullaha fin nisa, fa'innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Craignez Allah, prémunissez-vous contre la colère d'Allah et son châtiment si vous avez un mauvais comportement envers vos femmes, car vous les avez épousées sous l'engagement d'Allah. » Et elles vous sont devenues licites avec les mots d'Allah, au nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit dans le même hadith, et elles ont un droit sur vous, vous devez subvenir à leurs besoins et vous devez les vêtir. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, ô messager d'Allah, quel est le droit que notre femme a sur nous? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit que tu la nourrisses lorsque tu te nourris et que tu lui donnes des vêtements lorsque toi-même tu te vêtis. La femme a eu le droit à la dot. Allah nous dit wa atu an-nisaa sadaqatihinna nihlah, et donnez aux femmes leur dot de bon cœur. La femme qui avant n'avait pas le droit à la dot, donc quand l'islam est arrivé, il lui a donné le droit de recevoir cette dot, qui est une chose que le mari donne à la femme et non pas aux parents de la femme. C'est un droit qui appartient à la femme. Elle a le droit de demander ce qu'elle veut à la personne qui veut l'épouser, à condition qu'elle fasse attention à ne pas faire de l'excès et de regarder la personne, l'homme qui est en face d'elle, s'il est capable. La femme a eu le droit à l'héritage. Allah nous dit « وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرُ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. » Et pour les femmes, une part de ce qu'auront laissé les parents et les proches, que ce soit beaucoup ou peu, c'est une part fixée par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète a interdit aux hommes de détester leurs femmes. Il a dit à cet effet « لا يفرق مؤمن مؤمنة فإن وإن كره منها خلقا رضي منها آخر. Qu'un croyant ne déteste pas un croyant. S'il déteste d'elle un comportement, alors il sera satisfait d'un autre comportement. Le prophète éduque l'homme pour qu'il regarde les bons comportements de sa femme lorsqu'il en voit des autres qui ne le sont pas, afin qu'il patiente. Et Allah nous dit à cet effet, فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Et si vous les détestez, si vous détestez vos femmes, il se peut que vous détestez une chose dans laquelle Allah met un grand bien. L'imam Ibn Abbas, radiallahu anhuma, a dit, il doit patienter avec elle, bien se comporter avec elle, et il se peut qu'après cela, Allah leur donne un enfant pieux, dans lequel il y aura un grand bien. Allah, lorsqu'il parle de la femme et de sa place chez l'homme, il dit, « Hunna libasul lakum, wa antum libasul lahun. » Elles sont un vêtement pour vous, et vous êtes un vêtement pour elles. Qui est-ce qui est capable de sortir sans être habillé et sans vêtements? Personne. Allah subhanahu wa ta'ala n'emploie pas un mot au hasard, mais il emploie un mot pour que son serviteur comprenne l'importance. Elles sont un vêtement pour vous. Personne ne peut se passer de mettre un vêtement. Et lorsque la personne s'habille, elle veut mettre les meilleurs vêtements. Elle fait attention à ne pas salir ses vêtements. Elle fait attention, lorsqu'elle repasse ses vêtements, à ne pas les brûler. Elle fait attention aux taches. De la même manière, la femme est un vêtement pour l'homme. Il doit en prendre soin. Il ne doit pas salir sa réputation ou son honneur en lui disant des mauvaises paroles ou en la critiquant jusqu'à la rabaisser comme si elle n'avait aucune valeur. Car si tu ne fais pas ça avec un vêtement, comment pourrais-tu faire ça avec une femme qui est ton épouse, avec une femme qui est ta consœur, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Allah subhanahu wa ta'ala a responsabilisé la femme et il lui a donné un rôle immense. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet effet, wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa hiya mas'ulatun 'an ra'iyatiha. Et la femme est responsable dans la maison de son mari et elle aura à répondre de cette responsabilité qui lui a été confiée, la responsabilité d'éduquer ses enfants dans l'obéissance d'Allah, de leur faire aimer Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, la responsabilité de s'occuper convenablement de sa maison, car elle sait qu'Allah l'observe et qu'elle sait également que la seule chose qu'elle veut dans ce bas monde, c'est gagner la satisfaction d'Allah. Elle sait que sa vie ici n'est pas éternelle. Elle sait qu'elle est de passage. Alors elle s'efforce d'obéir à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allah a révélé une sourate pour aider et secourir une femme. Aïcha radiallahu anha a dit, que soit béni celui qui a entendu toutes choses. Certes, j'entendais les paroles d'une femme que l'on appelle Khawlatu bintu Tha'laba, qui chuchotait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, se plaignant de son mari et des nuisances de son mari. Et des fois, je n'entendais pas certaines de ses paroles. Et Allah subhanahu, et elle s'est plaint à Allah. Elle n'a pas fini de parler. Jibril est descendu avec la révélation dans laquelle Allah a dit, لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. Allah dit dans ce verset, Allah a bien entendu la femme qui discutait avec toi de son mari et qui se plaignait chez Allah, et Allah a également entendu le dialogue qui a eu lieu entre vous deux. Certes, Allah entend tout. Il voit tout, subhanahu wa ta'ala. Cette femme est venue et a dit, ô messager d'Allah, mon mari a usé ma jeunesse et il a usé mon ventre. Je lui ai donné beaucoup d'enfants. Et lorsque mon âge avança et que je ne puisse plus faire d'enfants, il a voulu me quitter. Ya Allah, je me plains à toi. Regardez la femme pieuse. Où est-ce qu'elle va se plaindre? Ya Allah, je me plains à toi. Quelle fut la réponse? Allah a entendu l'appel de la femme qui s'est plainte chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il suffit comme mérite ou pour montrer que l'islam a honoré la femme, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, alayhi salatu wa salam,
sur la poitrine de sa femme Aïcha, radiyallahu anha. Aïcha nous dit à cet effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort et Allah a récupéré son âme pendant que sa tête était sur ma poitrine, entre ma poitrine et mon menton. Il aurait pu être avec Abu Bakr, le meilleur des hommes, Omar, Uthman, Ali, mais non, Allah Azza wa Jal, par sa sagesse, a voulu que sa tête tombe sur la poitrine de sa femme Aïcha, radiyallahu anha. Allah a honoré la femme le jour du jugement dernier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, « إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. » Lorsque la femme accomplit ses cinq prières obligatoires, elle obéit, elle jeûne son mois de Ramadan, elle obéit à son mari, qu'elle préserve sa chasteté, il lui sera dit le jour de la résurrection, entre au paradis par la porte que tu souhaites. Le paradis a huit portes, les huit portes seront ouvertes et Allah lui dira, ô toi la femme pieuse, entre au paradis et choisis la porte que tu veux. Allahu Akbar. L'islam a honoré la femme en tant que fille. Et pour nous montrer cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. Il fait don de qui il veut. Il fait don à qui il veut de filles. Et il fait don à qui il veut de garçons. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. Ou bien il donne à la fois des filles et des garçons et des filles. وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا. Et il rend qui il veut stérile. Méditez la parole d'Allah, il fait don de qui il veut à de filles. Il fait don à qui il veut de filles. Allah a employé le mot don. Et lorsque la personne reçoit un don, ce ne peut être qu'une bonne chose. Ce ne peut être qu'une chose grande dans sa valeur. Ce ne peut être qu'une chose immense. Allah a voulu montrer à ces gens-là, vous qui humiliez les femmes, vous qui pensez que la femme n'a pas de valeur, je fais don à qui je veux de femme. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, a mentionné la fille avant le garçon, également pour montrer qu'elle a sa place chez Allah. Il a donc dit à cet effet, il fait don de qui il veut, à qui il veut, pardon, de fille, et il fait don à qui il veut de garçon. Ou il donne à qui il veut des filles ou des garçons et des filles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui a trois filles et qui patiente avec elles, qui endure dans leur éducation et qui les nourrit et qui les abreuve et qui leur donne ou qui leur achète des vêtements avec son argent, elles seront pour lui un voile contre l'enfer. Celui qui patiente dans l'éducation de ses trois filles et qui leur donne à boire, à manger et des vêtements avec ses propres moyens, elles seront pour lui un voile contre l'enfer. Également, Aïcha radiyallahu anha nous dit, une femme m'est venue et avec elle il y avait deux filles, deux de ses filles. Et elle m'a demandé de l'argent ou de la nourriture parce que cette femme était pauvre. Et je n'ai rien trouvé d'autre qu'une seule date. Je lui ai donné cette date. Alors, cette femme coupa cette date en deux et elle donna une moitié à chacune de ses deux filles. Elle donna donc une moitié à chacune de ses deux filles et chacune d'entre elles a mangé cette moitié. Aïcha radiyallahu anha a été étonnée de ce que cette mère a fait pour ses filles. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré, il lui a informé au sujet de la scène qui s'est produite chez elle. Le prophète alayhi wa sallam a dit, celui qui est éprouvé par des filles ou celui qui est éprouvé avec des filles par quoi que ce soit et qui fait preuve de bonté envers elles, elles seront pour lui un voile contre l'enfer.
Le prophète nous dit également, pour nous montrer l'importance des filles, il nous dit, celui qui subvient aux besoins de deux filles, ou de deux sœurs, de ses sœurs, ou de deux femmes, de filles parmi ses proches, en espérant par cela la récompense se trouvant chez Allah subhanahu wa ta'ala, elles seront pour lui un voile contre le feu. La fille, le tuteur de cette fille, doit chercher la personne la plus vertueuse, l'homme le plus pieux, l'homme qui sera s'occuper d'elle en craignant le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala s'il a un mauvais comportement. Le prophète nous dit à cet effet, si vous vient une personne qui demande votre fille en mariage, si vous vient une personne dont vous êtes satisfait de sa religion et de son comportement, alors mariez-la, mariez votre fille si elle est d'accord bien sûr. Et si vous ne le faites pas, alors il y aura une grande tentation et de grands troubles sur terre. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre quel est l'aspect que le tuteur doit regarder lorsqu'il veut donner sa fille en mariage après que celle-ci est acceptée. Quelle est-elle ou quel est-il? La piété et le bon comportement. La piété dans la religion, car il lui enseignera dans cette religion tout ce dont elle a besoin. Et le bon comportement, afin qu'il ne lui fasse pas d'offense ni d'injustice, et afin qu'il ait avec elle le meilleur comportement qu'un homme puisse avoir avec sa femme. L'islam a honoré la femme en tant que mère. Et qui te dira quelle est la place de la mère chez Allah subhanahu wa ta'ala? Cette mère qui a souffert et qui a fait preuve d'endurance pendant de longs mois, 9 mois ou moins que cela pour les femmes qui ont accouché avant 9 mois, cette femme qui a porté son enfant et qui lorsqu'elle sentait des coups de pied ou de main ou lorsqu'elle voyait l'échographie, elle éprouvait de la joie à l'idée qu'un enfant allait sortir de son ventre. Cette femme qui a enduré et qui a allaité cet enfant, cette femme qui a veillé la nuit pour que celui-ci puisse manger ou boire son lait correctement, cette femme qui a pleuré pour qu'il rigole, qui a patienté pour lui faire plaisir, qui s'est privée pour lui donner, comment Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux musulmans de se comporter avec cette personne qui est la mère? Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Et ton Seigneur a décrété et ordonné, n'adorez pas autre que lui. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et de la bonté envers les parents. فَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Si l'un d'entre eux ou les deux atteignent l'âge avancé de la vieillesse devant toi, alors ne les brusque pas dans tes paroles et ne leur dis pas ouf, ne leur dis pas ouf. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Et dis-leur de nobles paroles, des paroles douces, des paroles avec lesquelles elles seront ils seront satisfaits de toi. وَغْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Et rabaisse devant eux le flanc de la miséricorde. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Et dis, ô mon Seigneur, fais leur miséricorde comme ils m'ont éduqué lorsque j'étais petit. Abu Huraira radiyallahu anhu, chaque fois qu'il entrait chez lui, il disait assalamu alayki ya ummi, ya ummi wa rahmatullahi wa barakatuh, rahimakillahu ya ummi kama rahimtini saghira. Fahiya kanat taruddu biqawliha wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya waladi wa anta rahimakallah kama barartani kabira. Il disait,
Salut à toi, il passait le salam, salut à toi, ô ma chère mère, qu'Allah te fasse miséricorde, comme tu m'as élevé lorsque j'étais petit. Et celle-ci répondait, et que le salut soit également sur toi, ô mon noble fils, et qu'Allah te fasse également miséricorde, comme tu as fait preuve de bonté envers moi, quand tu as pris de l'âge et quand tu as grandi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme venir vers lui et lui dire, ô messager d'Allah, qui est la personne qui mérite le plus ma bonne compagnie? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, ta mère. L'homme dit, qui d'autre ensuite? Il répondit, ensuite ta mère. Et cet homme de répondre, qui d'autre ensuite? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam encore une fois dit, ensuite ta mère. Qui d'autre ensuite? Ensuite ton père. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que cette femme a une place trois fois plus importante que celle de l'homme chez Allah subhanahu wa ta'ala. La mère est trois fois plus, sa place est trois fois plus importante chez Allah que la place de l'homme. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, ô messager d'Allah, je veux venir avec toi et t'accompagner au combat. Et je te demande ton avis. Qu'en penses-tu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, as-tu une mère? Est-ce que ta mère est vivante? Il répondit oui. Le prophète lui dit, alors reste avec elle. Car le paradis se trouve en dessous de ses pieds. Il a voulu aller combattre et sacrifier sa vie pour sauver l'islam et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, retourne avec ta mère et reste avec elle, car en dessous de ses pieds se trouve le paradis. C'est pour cela que certains des pieux prédécesseurs, lorsqu'ils voyaient leur mère mourir, ils pleuraient. Et ils disaient, une porte du paradis s'est fermée devant moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, je vous recommande fortement la bonté envers vos mères, et je vous recommande fortement la bonté envers vos mères, et je vous recommande fortement la bonté envers vos pères, et je vous recommande fortement la bonté envers vos proches. Voyez qu'il a dit, ou qu'il a ordonné à ses compagnons de faire preuve de bonté envers leur mère plus de fois qu'il l'a dit pour leur père sallallahu alayhi wa sallam. Il nous reste plus beaucoup de temps. Pour résumer, l'islam a honoré la femme, qu'elle soit mère, qu'elle soit fille, qu'elle soit femme. Et le conseil que nous donnons à la femme musulmane, c'est que elle ne doit vouloir dans cette vie qui viendra ou qui touchera à sa fin, ce bas monde qui disparaîtra, elle ne doit vouloir qu'une chose, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit, ya ayyuha an-nabi, qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Ô prophète, dis à tes épouses, si c'est ce bas monde que vous désirez, alors venez, je vous quitte et je vous laisse partir de la meilleure manière. وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدَنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةِ. Et si c'est Allah que vous voulez, et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la bonne place dans l'au-delà, فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. Alors, sachez qu'Allah a préparé pour les bienfaisantes parmi vous une énorme récompense. La femme musulmane, la femme pieuse, est la femme qui court derrière l'agrément d'Allah, parce qu'elle a la pleine conviction qu'Allah ne lui gâchera jamais ses bonnes actions. Elle a la pleine conviction qu'elle gagnera la satisfaction d'Allah, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle elle n'hésite pas à obéir à Allah. Elle n'hésite pas à obéir à son mari, parce que lorsqu'elle obéit à son mari, ce n'est que pour obéir à Allah, ce n'est que pour entrer au paradis, ce n'est que pour arriver un jour où on lui dira, entre femme pieuse, entre au paradis,
Il y a 8 portes qui sont ouvertes. Choisis la porte par laquelle tu veux entrer. Comment seront les femmes à ce moment-là? Les femmes qui ont désobéi Allah, les femmes qui n'ont pas obéi Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'elles verront ces femmes, et lorsqu'elles verront qu'il sera dit à celles-ci, choisis la porte, femme pieuse, la porte que tu veux. Réfléchissez et voyez comment la femme, la pauvre femme, s'est fait tromper dans ce bas monde, à tel point qu'on a réussi à la faire croire qu'elle a réussi dans sa vie si elle enlevait ses vêtements et montrait son corps à tout le monde. Alors qu'elle est devenue en vérité la convoitise de tous les hommes au cœur malade. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas que sa servante qui adore Allah seul sans associé devienne la convoitise des cœurs malades. Il ne veut pas non plus que n'importe qui la touche ou la voie. Allah subhanahu wa ta'ala a organisé et a réglé correctement la vie de la femme, de même qu'il l'a fait pour la vie de l'homme, afin qu'il vive dans la bonté, dans la joie. Car les femmes et les hommes sont différents. Ils sont différents dans leur physique. Ils sont différents dans leurs sentiments. Ils sont différents dans les choses que chacun peut supporter. Est-ce qu'un homme est capable de porter un enfant dans son ventre 9 mois? La réponse est non. Et la femme est capable de supporter ce que l'homme ne peut pas. L'homme est capable de supporter ce que la femme ne peut pas. Qui est-ce qui a créé l'homme et la femme? C'est Allah. Et c'est lui-même qui, par sa religion, a géré la vie de l'homme et de la femme afin que personne ne soit lésé et afin que chacun des deux récolte l'agrément d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ne te fais jamais tromper, chère femme musulmane. Ne perds pas ta religion. Ne perds pas ta religion. Car si tu perds ta religion, tu as tout perdu. Et nous aussi, les hommes, si nous perdons cette religion, si nous mourons en se soumettant à autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous sommes perdus. Et nous sommes voués à l'échec. Même si nous sommes riches, même si nous sommes beaux, même si nous sommes forts, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna allaha la yanvuru ila suwarikum, wa la ila ajsadikum, wa lakin yanvuru ila qulubikum wa a'malikum » rapporté par Muslim selon Abu Huraira. Certes, Allah ne regarde pas vos corps, il ne regarde pas la forme de vos corps, mais il regarde vos cœurs, il regarde vos actions. Sommes-nous semblables à ceux qui ne croient pas en Allah, à ceux qui adorent autre qu'Allah, à ceux qui suivent autre que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Allah subhanahu wa ta'ala, par sa religion, a élevé les hommes et les femmes. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah a élevé les croyants parmi vous, et ceux qui ont reçu la science parmi eux, en degré. Ne te fais jamais tromper. Lorsque tu es convaincu d'une chose, et lorsque tu es convaincu que cette chose vient du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'hésite pas à la faire. Est-ce que tu peux regretter d'obéir à Allah, d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam? La réponse est non. Est-ce que tu peux regretter de suivre tes passions? Est-ce que tu peux regretter de ne pas avoir patienté dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala? La réponse est oui. La réponse est oui. Alors, la femme musulmane doit savoir que sa religion et que ses prescriptions et que ses règles émanent du Seigneur de l'univers, de celui qui a créé les hommes et les femmes afin qu'il voue le culte seul sans associé, de celui qui les a fait exister dans le seul but de l'adorer seul sans associé, de celui qui a fait respirer l'homme et la femme, qui a nourri l'homme et la femme dans le seul but qu'ils se soumettent à Allah. Et c'est cette croyance et cette conviction qui différencie et distingue le croyant du mécréant, de celui qui vit pour l'argent, de celui qui vit dans ses passions, de celui qui suit autre que ce qui l'amènera à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sache, chère femme musulmane, que si tu obéis à Allah subhanahu wa ta'ala et que tu es pieuse et que ton mari l'est également, Wallah, tu ne peux vivre que dans la joie.
et tu ne peux que réussir. Allah n'a-t-il pas dit من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Celui qui fait une bonne action parmi vous, homme ou femme, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Nous lui ferons vivre une bonne vie et nous le récompenserons en fonction des meilleurs actes qu'il faisait. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح قلوبنا وأن يتقبل منا أعمالنا وأقوالنا ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل ويغفر لنا ولأمهاتنا وأخواتنا وبناتنا وزوجاتنا. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir dans sa religion et de nous guider et de nous pardonner nos péchés et de pardonner à nos mères, aux femmes, aux filles, aux sœurs, aux croyants et aux croyants. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.